La conjoncture économique est pourtant favorable. Or, Montréal, comme plusieurs grandes villes, est aux prises avec des dizaines de commerces fermés. Des taux de vacances qui se situent entre 10 et 15 % sur de nombreuses artères. C'est la vitalité qui en souffre, mais également l'image de Montréal. Et Valérie Plante a annoncé lundi qu'elle souhaitait s'attaquer au problème. D'abord, dès le mois de septembre, elle va mandater la Commission du développement économique pour qu'elle pose un diagnostic actuel de la situation. Et dès le mois de janvier 2020, eh bien, il y aura des consultations publiques. Ultimement, c'est le développement économique de Montréal qui en subit les contre-coups. Pendant 10 ans, Projet Montréal n'a rien fait pour Saint-Denis et maintenant, tout d'un coup, il se préoccupe de cela. On s'est justement rendu sur la rue Saint-Denis à la rencontre de la représentante des commerçants, Lynn Beauvillier. Il nous manque du data. Le data pour aller chercher comment contrer, entre autres, des locaux vacants. Pour le magasin Design Zola, l'aventure fut brève. À peine 1 an ici en service sur la rue Saint-Denis, le faible achalandage sur cette artère, également les taxes très élevées selon la commerçante, sont attribuables à cette fermeture qui se fera en septembre. Vous dites que les commerces qui sont en fonction vont bien. Oui, tout à fait. C'est le cas chez Micro Boutique. C'est le cas chez Micro Boutique, effectivement. Vous avez parlé de commerce en ligne. Faut-tu justement aller vers ça pour survivre aujourd'hui? C'est inévitable. On se transporte au centre-ville rue Bishop. Ça devait être un rêve, c'est devenu un cauchemar. Il y a 3 ans, avant d'ouvrir ses portes, Olivier avait pourtant vérifié auprès du service 3-1 si des travaux étaient prévus et on lui a dit non. Pourtant, vous ouvrez, les travaux s'amorcent et pour vous, c'est la fin du commerce carrément. Il n'y a plus de circulation pratiquement plus. Aucune circulation, aucun parking, cancellation de tous les parcomètres. Moi, c'est un to-go, fait qu'il n'y a pas personne qui pouvait venir, presque pas d'accès. Il poursuit la ville pour la somme de 165 000 $. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.